Allez, c'est parti! Tu te donnes, tranquille, ça amortit bien. Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau contenu, les essais reprennent sur la chaîne. Vous avez pu voir il y a 15 jours, je vous avais proposé la R7 de chez Yamaha. Et bien aujourd'hui, regarde, comme cette période est propice, parce que c'est le genre de moto où tu peux rouler toute l'année par rapport à une sportive ou à un roadster, je me suis dit, et bien pourquoi pas vous présenter une moto qui n'avait pas encore paru sur la chaîne. Je veux parler de la Tiger 850 en version A2. Oui, pour vous les A2. Triumph Tiger 850. Je vais vous donner mon ressenti comme je le fais sur tous les modèles que j'ai essayé. Alors c'est une moto accessible à tout le monde. Les petites tailles, vous serez à l'aise, n'ayez crainte. Et je vous ferai voir que j'ai les pieds vraiment parfaitement posés à plat sur cette bécane. Donc ça fait partie du ressenti. C'est des choses qui sont utiles que je dois vous montrer, que vous allez vous retrouver sur une moto haute, alors que c'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui les constructeurs, ils ont pris conscience que le trail, eh bien, n'intéresse pas que les grands de 2 mètres de haut, mais aussi les petites tailles. Je vous mettrai la hauteur de selle, mais là j'ai les pieds avec un 1m75, j'ai les pieds à plat. Il y a des barres de protection, tu as un saut de vent supplémentaire pour être pour que ça passe au-dessus du casque. C'est stylé, ça ne gêne pas. C'est agréable de se retrouver derrière ces modèles trail. Pourquoi je vous sors un essai sur cette Tiger 850 alors qu'elle est sortie depuis un moment? Ben, parce que j'avais pas eu le temps de le faire avant cet essai. J'attendais une période propice dans cet hiver, parce que avec une moto comme ça, ben, tu roules toute l'année. Alors elle est en version A2. Il faut savoir que elle est bridée donc en 47.5, mais tu peux l'avoir aussi en version full. Et c'est une moto, au lieu d'avoir les 95 chevaux de la 900 Tiger, celle-là, elle aura que 80 chevaux. Mais par contre, le couple arrivera bien plus vite. Alors, il y a une autre moto que je ferai en trail de chez Triumph. On l'attend, elle n'est pas encore arrivée. C'est la 660 Tiger, 660, mais qui est un concept complètement différent au niveau forme. Apparemment, les formes sont plus arrondies. Ça sera vraiment le premier trail d'initiation que tu pourras retrouver chez Triumph. Bon, la boîte, elle passe super bien. Il n'y a pas de shifter, tu peux l'optionner. Hein, ça coûte à peu près 300 € je crois, de mémoire, un shifter chez Triumph. Ça peut être utile même en version A2, au contraire. Oh, ça reste agile ces bécanes, c'est incroyable hein. Alors tu as un centre de gravité un peu plus haut qu'un roadster, mais par contre tu gagnes du confort. Suspension plus agréable. Alors pourquoi ils ont fait la 850 alors qu'ils ont fait la 900? Eh bien parce que au niveau prix, on va en parler tout de suite, une Tiger, la Rally Pro, avec les options, il faut compter 16 000 €. Alors que celle-là, tu es à moins de 11 500 €. Donc je vous mets les prix exacts hein, entre la Rally Pro et cette 850.
Ah, puis c'est souple à bas régime, ça sifflote toujours un peu ces Tiger, plus que les Street. De toute façon, on s'arrêtera, je vous la ferai voir. Mais alors, c'est tellement facile, si vous n'avez jamais roulé en trail, je vous conseille d'aller en faire un peu du trail. Là, l'avantage, tu vois, là, j'ai ce qui est agréable dans le trail, la première chose que je trouve vraiment très agréable, c'est la position du guidon assez droite. Tu es vraiment droit sur la moto. T'as pas les pieds en arrière, t'as pas les pieds en avant, idéalement positionné. Donc ça c'est bien. Deuxième chose que j'adore, ben, c'est moins de prise au vent, donc ça reste agréable, surtout en hiver. Et ça te permet de rouler avec la visière levée, ce que tu peux pas faire avec, avec un roadster ou une sportive. Alors il fait 4 degrés hein, aujourd'hui, c'est pas l'idéal, mais j'ai pas froid. J'ai les gants chauffants que j'ai pas mis en route, tu peux voir, ils sont pas en route. Je les mettrai sûrement à la fin de l'essai parce que les températures elles baissent assez rapidement. Et là vraiment je suis le kiff, hein. C'est vraiment le kiff, je suis bien sur un trail. Ah oui, ah c'est très très bien. Attention, basse température d'air, donc ne donnez pas trop d'angle aussi l'hiver, pensez-y. On roule pas pareil en moto l'hiver que l'été. Les enrobés sont pas à la même température. Et même si ça vous paraît sec, méfiez-vous de mauvaises surprises. Parce que les températures, vous savez qu'à partir de 4 degrés, votre pneu, il n'a plus du tout la même efficacité que quand il est à 8 ou 10 degrés. Donc dessus, t'as le compteur de la Street. Voilà. C'est exactement le compteur que j'ai sur la sur ma moto. Elle est très 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 agréable. Donc voilà un modèle peut-être qui peut vous intéresser, les A2 et peut-être aussi le motard lambda qui veut avoir une moto sans trop l'optionner, avec un prix intéressant, hein, moins de 11 500 €. Allez, pour l'hiver, c'est tip top, hein, les trails, hein. même l'été, mais ce que je veux dire, c'est, voilà, tu es plus serein avec un trail, et tu es un peu plus à l'abri que sur un modèle roadster. Je suis bien protégé là, au niveau des jambes, c'est des motos qui sont assez valorisantes. Après, le duo, ben, c'est aussi plus agréable que sur un roadster pour ton passager. Donc on est sur une fourche inversée et ça ne plonge pas. Hein. Je suis bien installé, la selle est plutôt ferme, mais c'est agréable. Je suis en jean coquet, bien sûr, toujours équipé, encore plus aujourd'hui parce que tu vois le temps. Il faisait beau tout à l'heure quand je suis parti de la concesse, mais là tu peux voir que c'est assez brumeux ici. Bah franchement, tu sens pas du tout le poids qu'elle a, elle est à moins de 200 kg, je sais. Je vous mettrai le poids exact, ce réservoir. Dessus, tu as deux modes de cartographie apparemment. Moi, je suis en mode road,
et tu as un mode ville hein, en fait, un mode pluie que tu changes là, c'est le même Komodo que la Street, alors c'est assez facile. Les freinages excellents je trouve. Ah, on est dans l'entrée de gamme de chez Triumph, mais franchement, la finition, elle est vraiment correcte. La finition, elle est propre. On sent qu'il y a une qualité qui est mise sur... même si le coût pour fabriquer cette moto, ça coûte moins cher que de faire une Rally Pro, par exemple. Tiens, regarde, la souplesse, on va faire le petit test de souplesse comme on a l'habitude de faire. Regarde, hop, je suis en sixième, je vais freiner... Voilà, hop, et regarde, accélère, ça ne tapote pas, je suis à 50, je peux aller encore en dessous. C'est à peu près toujours par là que je fais mon test de souplesse. Alors je vais voir, je vais descendre, voilà, je suis à 40 km/h. Salut poteau, ça tapote pas du tout. Bon, tu vois, ça, c'est vraiment très souple, très élastique ces moteurs. Ces trois cylindres, il y a du couple, c'est ce 850, ils ont baissé la puissance en ordre de chevaux. Et tu sens que le couple, il est plus important. Ouais. Donc si tu veux faire un petit peu du off-road, un petit peu d'off-road avec cette bécane, sans faire des gros trucs de fou parce que t'es à jante à bâton, mais voilà. Tu vas pouvoir faire plaisir. En plus, la maniabilité, elle est exceptionnelle, exceptionnelle. Bon, après, une partie cycle très bonne, vous savez à quel point je vante les mérites de ces parties cycles chez Triumph, mais elles sont très bonnes. Sonorisation avec un pot d'origine, c'est plutôt correct. Et puis quand tu as un trail, franchement, tu t'en fous un peu de faire du bruit. Parce que tu n'achètes pas un trail pour ça. Surtout que, en plus, tu es censé faire aussi un peu de ville avec, si tu te sers pour aller au boulot tous les jours. Donc c'est une moto passe-partout. Allez, on essaye un peu le freinage à l'arrière. La DBS s'est déclenchée. Ce qui prouve que cette moto, eh bien, elle a un ABS qui fonctionne bien. T'entends le 3 cylindres ? Triumph de la gamme Tiger, voilà. Hein. Bon, on arrive. Franchement, c'est du plaisir de rouler avec cette bécane. Alors, je vais l'éteindre. Hop, voilà. Donc, voici la Triumph Tiger 850 Sport. C'est une version qui est pour faire du petit chemin, mais surtout de la route. Avec des gens qui ont envie de découvrir le trail. Alors, la couleur, là, ce coupé gris, brillant et rouge, je le trouve plutôt bien réussi. Il y a quand même du Brembo. Donc, tu vois, voilà, c'est ce que tu dois avoir à peu près sur la Street R en Brembo. Donc, elle est en Brembo à l'avant et à l'arrière. En option qu'ils ont mis chez Triumph, parce que c'est un modèle d'essai, puis qu'ils se sont dit, ben, c'est pas plus mal de les mettre, donc tu as les barres. Hein. Et puis, ce petit saut de vent, tu vois, qui protège bien aussi, qui t'empêche d'avoir de l'air dans l'intérieur du casque. Donc, ça, c'est pas mal. C'est bien, puis bon, ça lui fait un petit style. Donc, regarde, la Tiger, elle reste dans la même lignée esthétique que sa grande sœur, la 900, la Rally Pro. Alors, tu n'as pas de béquille centrale. Il faut savoir que cette moto, comme je vous l'ai expliqué, elle est à 47,5. Mais le couple, vous l'avez pareil en version full. Sauf que après, vous aurez un peu plus de puissance après débridage. Ce qui peut être intéressant parce que si tu veux une moto pas trop onéreuse, et là on est dans une fourchette de 11 500 €, on parle d'un véhicule neuf. Donc ça peut être vraiment intéressant pour une évolution aussi. Et puis pourquoi pas après, tu sais, une moto que tu peux garder 4 ans, puis après passer à autre chose. Si tu passais peut-être à la 1200, c'est une bonne évolution. De toute façon, on voit les pièces qui sont mises sur cette bécane, qui a un gage de qualité. Alors, la selle, je ne vais pas la démonter, mais elle est réglable sur 3 positions. Donc là, elle est au plus bas. Yes.
Affiné ici, tu vois, c'est vraiment affiné là, et puis tu vois, ça repart sur le côté. C'est vrai que la Tiger elle est devenue plus stylée maintenant, je trouve. Pour ouais, franchement, en plus avec ce feu avant là, plutôt bien réussi. Tu vois, on voit une belle fourche inversée. Voilà, on va pouvoir repartir avec. Alors, je monte dessus assez facilement et regarde, j'ai les pieds, regarde mes pieds, ils sont parfaitement à plat de chaque côté. J'ai demandé la plus basse, j'aurais pu mettre l'intermédiaire moi, tu vois, parce que je pense que l'intermédiaire, j'avais les pieds bien à plat aussi. Parce que là, j'ai les jambes un peu pliées, tu vois, je pense qu'on doit le voir là, avec la caméra. Je vous conseille les bottes, ça rehausse aussi le bonhomme. Et puis la moto, ben voilà, hein, comme je vous l'ai dit, les constructeurs aujourd'hui, dire on va faire des motos aussi pour les petits en trail. Ben voilà, hein, on y arrive de plus en plus. Vous allez chez BM, chez Triumph. Ben, en tout cas, c'est un vrai souci. Il y a un vrai cas de conscience que les constructeurs ont dû se poser, parce qu'aujourd'hui, voilà, on a des positions, il y a de la demande, parce que les trails attirent beaucoup de monde, hein, et parce qu'avec un trail, ben, t'as assez de liberté. C'est une moto qui est des fois un peu moins contraignante que certains roadsters. Je remarque que là, ils ont mis un branchement, tu vois, voilà, et tu peux brancher avec un adaptateur USB, eh bien, toute ton alimentation, mettre un GPS, un téléphone, tout ça. Après, tu peux l'optionner, mais tu n'es pas obligé de l'optionner dès que tu l'as acheté. Hein. Tu peux l'optionner petit à petit aussi. Hein. Si c'est une moto que tu vas garder 4 ans, voilà, je trouve que c'est un bon achat, cette moto. Elle est vraiment intéressante. Je suis assez à l'aise dessus. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais, donc il était intéressant aujourd'hui de vous faire un essai sur le trail dans ce mois de janvier. Je vais remercier Triumph, hein, je vais remercier Marguerite, hein, sur ce coup-là, parce que j'avais appelé personne. Tout ça pour vous dire que des fois, c'est mieux de prendre un rendez-vous pour faire un essai. Toujours plein de plaisir à rouler avec ces Triumph. Regarde la position là, quand je suis debout. Je voudrais bien aller faire un petit peu du off-road là, ça doit être intéressant, ça donne envie. C'est vrai que on a une sensation de liberté avec ces trails. On va passer par les petites routes, tiens. Je vais pas faire comme je fais d'habitude. Hop, voilà, t'as un dos d'âne, tu restes debout sur les cale-pieds. Et franchement, c'est tip top. Ah ouais, c'est vrai que ça. Et regarde la maniabilité que ça a. Hein. Alors, je vous rappelle, hein, je suis pas sur la version Rally Pro, hein, mais qui est vraiment fait, qui est typé vraiment pour du pur off-road. Mais celle-là, elle te permet d'aller. D'aller faire du off-road, mais gentiment, tu vois, voilà. Alors ouais, le shifter aussi, ça peut être un truc en plus dans les options, hein, que tu peux prendre.
Allez, hop, on se lève pour les dodanes. Hop, tranquille. Voilà. Ah, c'est bon quand même, hein, le trail. Hein. C'est vrai que ça donne envie. Hein. Ça donne envie. Ouais. Ah, ça c'est le klaxon. Et là c'est la version A2, hein. C'est pour vous les A2, hein. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de version A2, ben en voilà une nouvelle. Quel kiff. Alors ça siffle moins qu'un 800 Tiger, mais ma foi, elle a toujours ce bruit du 3 cylindres, puis ça reste souple, c'est ça hein, qui est intéressant. Ah, t'as de quoi faire de belles balades avec, hein, et puis de faire du duo. Ah, ça y est, on revient vers le soleil. Hop là, on se met debout, et donc du coup, tu te casses pas le dos. Donc je ferai d'autres essais de modèle trail en A2, hein. Je vais vous montrer d'autres modèles. J'ai fait un peu le bilan de la chaîne. Les essais moto vous plaisent toujours. Alors on est plusieurs à en faire des essais. Hein. Ouais, voilà. Et moi l'idée c'est vraiment pas de rentrer dans le côté technique de la moto pour partager avec vous et puis vous donner mon ressenti. Donner une petite conclusion après un essai que j'ai fait. Et je trouve que cette Tiger, eh bien, franchement, pas déçu. J'avais déjà pratiqué la Tiger 800, la Tiger 900. Ces moyennes cylindrées, super facile. Tu les prends en main, mais rapidement. Allez chez Triumph, allez essayer la Tiger. Vous allez voir, que ce soit la 850 ou que ce soit la 900, franchement, elles sont tip-top ces Brel, c'est vraiment des bonnes motos. Alors vous allez me dire, mais écoute, si elle est si bien que ça, pourquoi t'en prends pas une? Je vais t'expliquer. Je serai pour passer au trail. La street, j'en ai tellement rêvé de cette moto que maintenant que je l'ai, avoir un trail et avoir un roadster, pour moi c'est tip-top. Faire du duo, ben oui peut-être, pourquoi pas. Mais en deuxième moto, peut-être une Tiger 850, ouais, pourquoi pas. On a fait un peu le tour. Voilà les potos, prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous eh bien dans une de mes prochaines vidéos. Restez équipés, prenez soin de vous. Allez, ciao 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 tout le monde, bon dimanche. Bah oui, bon dimanche, c'est le dimanche que sort les vidéos, vous le savez maintenant. Ah, on est quand même bien, puis ça fait du bien hein, la moto. Hein.
de sortir un peu, même quand il fait un peu frais. Regarde, j'ai même pas utilisé les gants chauffants. Je suis surpris, hein.